Mad Trucking Canadian présente semaine 21. Et nous allons commencer notre vidéo à Saint-Laurent-Québec et j'approche vers mon client avec ma remorque vide. Et comme vous voyez, il y a une caravane qui fait une entrée vers la droite. Aussi simple à observer. Donc, c'est pas pris dans la position. Donc, je commence à avancer un petit peu là, parce qu'il y a un assis qui va voler ma place. Là. Je sais qu'il n'était pas là avant moi. Là. Donc, là, je vais attendre. On va avancer la vidéo un petit peu. Puis là, il y a quelqu'un qui avance devant moi. Il dit, hey, toi, c'est moi qui rentre. Puis là, la Mercedes vient juste de passer devant moi. Chris de conne. Ouais, je peux poigner sa plaque. C'est ça, qu'est-ce qu'il y a bon là-dedans? Si vous voulez une vitesse assez basse, vous pouvez capturer sa plaque. Ça, il n'y a pas de problème, ça prend juste la bonne dashcam. Donc là, je vais attendre. Puis là, nous allons avancer au lac supérieur. Donc là, je suis dans le lac supérieur, le parc provincial du lac supérieur. Puis là, j'aperçois un orignal à droite. Là, les orignales, là, dans les parcs, surtout sur la 17, là, sont très communs là, pendant le printemps et l'été, donc faites attention. Donc là, on s'amène à Mooseman, Saskatchewan. Puis, whoop, la balance est ouverte en fin de semaine. Ça arrive jamais. On voit jamais ça, donc je vais avancer la vidéo là, parce qu'il n'y a personne qui veut voir une vidéo qui dure plus que 5 minutes. Donc on va rentrer dans la balance, voir ce qui arrive. Parce que, normalement, son jardin est ouvert la fin de semaine. Donc, j'arrive là. C'est très bien éclairé pour la Saskatchewan, hein? Puis WTF, bon, on sait tous qu'est-ce que ça veut dire. C'est fermé, il n'y a personne là. Absolument personne là. On voit ça souvent dans les états. Mais il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Donc, je pense que je vais me baiser, puis on va comment? On va continuer à rouler. Donc, je vais rouler, donc on va y aller fast forward là-dessus. Faut quand même demeurer que la vidéo soit respectable. Donc là, on s'en va à Calgary. Puis là, on se ramasse à Calgary. Puis là, on voit quelque chose de vraiment unique. On voit une tornade s'approcher directement derrière nous. Donc, on va y aller au ralenti. Check mais ça, la tornade. Quand même un phénomène extraordinaire. Donc là, on va y aller avec le dragster. Donc là, ma femme est dans la voie de gauche, on va se tasser à droite, puis là, un dragster vient tout juste de passer. C'est quand même spécial, on voit pas ça à tous les jours. Donc on va regarder ça encore une autre fois. Wow! Quand même assez spectaculaire comme machine. Je vais laisser ça passer tout simplement parce que ça mérite de l'originalité. C'est vraiment rare qu'on voit des chars américains classiques avec des tires qui sont wide de même passer devant nous. Donc on va retourner en Ontario. Puis on va spotter un autre orignal. Ils sont vraiment difficiles à spotter sur la caméra. Quand on voit ça en YouTube, il n'y a absolument rien qu'on peut faire avec ça. Donc là, on va checker ça. Oh, ils sont vraiment difficiles à regarder. Oh, check, il est bien là. Écoute, il n'y a rien qu'on peut faire dans le domaine de la technologie pour spotter ça. Donc là, on va mettre quelqu'un en erreur là. Tu vois la GMC là, le CUV à droite là, est donc bien agressif, il sait pas comment suivre ses distances. Moi là, dans le véhicule personnel, je chauffe la limite. Il n'y a rien que je peux faire.